Hello, I'm Rabia Malwi from Express FM Radio in Tunisia. At the beginning of the revolution, the European Union has promised the recovery of looted assets by the Ben Ali's family. But last week, we saw that the European justice cancelled some sanction of Ben Ali's family. Don't you think that such a decision can badly affect the relationship between the European Union and Tunisia? And thanks. Merci beaucoup. Concernant la question de la récupération des avoirs en Tunisie, ce qui se passe en Europe actuellement, je comprends d'abord, et je vais faire une déclaration de principe avant de répondre à votre question. La question des avoirs est une question politique qui doit être traitée au plus haut niveau politique. Donc ce n'est pas une question juridique, c'est aussi juridique, c'est aussi légal, mais c'est surtout une question politique. Il s'agit de votre argent, il s'agit de l'argent des Tunisiens qui a été volé par ces régimes criminels et qui a été exporté illégalement. Donc je comprends très bien cette sensation de rage, de mécontentement vis-à-vis certaines décisions dans le cadre juridique. En même temps, vous devez comprendre que d'un côté, nous avons un système de compétences où certaines questions sont de compétences pour l'Union européenne, certaines questions sont de compétences pour les États membres. Ce qu'on a dit récemment, c'est que certaines questions ne doivent pas être traitées par l'Union européenne parce qu'il s'agit des compétences des États membres. Ça ne veut pas dire que la Tunisie ou l'Égypte ou la Libye ont tort à réclamer leurs avoirs. Ça veut dire simplement que c'est les juges et les gouvernements de chaque État membre qui doivent traiter avec cette question parce que, d'après la législation européenne, c'est à eux la compétence. Mais bien sûr, ça ne veut pas dire que l'Union européenne n'a pas des compétences sur cette question. Il y a d'autres aspects de la récupération des avoirs qui rentre parfaitement dans le domaine européen. Je vous donne un exemple. Juste la semaine dernière, on a voté une résolution au Parlement européen qui a été élaborée en coordination avec d'autres institutions et qui va permettre une action beaucoup plus efficace pour le travail de coordination, le travail en équipe avec les États membres pour la récupération des avoirs. Mais je tiens à le dire, c'est une priorité fondamentale, politique, dans notre travail avec ce nouveau système démocratique. Thank you, Mr. Leon.